this Duke King Julius style. Salutations les murs, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour notre 31e épisode sur V Rising. Alors malheureusement, quelques petits soucis viennent de se produire. J'ai mon cher Orson qui est venu se friter avec moi dehors, je sais pas pourquoi, il était dans le jardin. Je me suis mis à me taper avec ceux qui étaient devant, il est venu et ce con, bah il est mort, il s'est fait bouffer par les chiens. Et j'ai aussi ma grosse brute ou mon gros guerrier là qui est passé à trépas lui aussi. Mon château était en décomposition, il est arrivé à 98%. Alors j'avais plus de portail dans mes jardins. Et j'avais aussi plus de... Je vais mettre une petite pierre là, histoire de me faire un petit lingot de fer les jeunes. Ouais, j'avais plus de portail. Mon jardin était en accès libre. Et ce con, il est en train... Bah, il a complètement dépop et disparu. J'ai les autres, heureusement. Là, je viens de me siffloter un 144, donc on va essayer d'aller se friter quelques boss. Ce serait pas mal. Donc, je crois que le premier, ça va être direction la mine. Donc, depuis, forcément, j'ai rechargé. Non, pas ma vie, par contre. J'ai peut-être m'enfiler. Ouais, je voulais pas me l'enfiler, mais au moins, comme ça, j'économise mon sang. Et je vais aller ranger ma fiole. Et on va aller se chercher un petit peu de sang frais. Et puis, on va partir. Donc, j'ai déjà mis la traque en route. Je vais déposer ma fiole de l'autre côté, ce serait peut-être mieux. Normalement, c'est dans celui-ci. Voilà, parfait. On va reprendre une petite forme de loup. Et puis, ben, je vais me rendre sur place, les jeunes. Alors, ma ville, elle va finir de régénérer au fur et à mesure. Quoique j'aurais pu ne pas me siffloter le sang. Ouais, ce con, il était là. Putain, il s'est téléporté à travers le portail. Et puis, ben, le carnage a eu lieu ici. Alors, il va falloir que je m'amuse à rigoler un sang, un guerrier, quoi. Donc, je sais pas. D'ailleurs, ils étaient tous en train de perdre de la vie, hein, même Orson. Après, ils ont rechargé. Et je sais pas si mon guerrier, j'ai dû siffloter du sang ou peut-être j'ai pas dû le nourrir. Et au final, il a perdu pas mal de vie, cet abruti. Et il a fini par mourir, tout simplement. Donc, moi, ma petite traque, c'est par là qu'elle se situe. Donc, bah, écoutez, je me rends sur place et puis on va aller. Ah, j'ai oublié le sang. J'ai oublié de prendre des petites fioles de sang. À quoi qu'il en soit, je vais chercher mon sang et on se retrouve directement sur place. Ok, mais on arrive à la mine de fer hantée. Je vais essayer de trouver un petit chemin, ce serait pas mal. Non, je sais pas par où je suis passé, mais c'est pas le meilleur des endroits. Je crois qu'avant, c'est par là que je passais pour retourner dans ma zone au tout début pour éviter de me farcir trop de gardes. La belle époque. Et je vais être coincé par cette caillasse, forcément. J'aurais mieux fait de passer de l'autre côté. Ah, donc j'ai pris deux fioles de sang de brut, 68%. J'espère que ça ira et qu'on n'aura pas besoin de consommer tout ça, ce serait pas mal. Et puis, ma foi, on va essayer de se faufiler par ici. Petit château, me bloque pas, s'il te plaît. Ouais, non, c'est bon, il devait être en hauteur. Ah, donc c'est parti, messieurs dames. On a bien trouvé une entrée. Ok, on arrive. On arrive. Va falloir que je passe tous ces petits gardes. Bon, ils vont aller se taper avec les morts vivants là et puis ils vont me foutre la paix. Sur des cas, je vais me partir cela là. Ah ouais, putain, ça marche pas par derrière. Je t'ai pas tourné dans le bon sens. Non, merci bien. Il n'y a rien dans leur tente. Donc le sang, c'est par là. On va dégager toute la zone. Bon, bah, je crois qu'elle est juste à côté. Le commandant mort-vivant, je t'ai rien demandé. Peut-être prendre mon arbalète. Ça me fait penser à l'autre. Je ne vais peut-être pas utiliser mon sort. Ah
Ouais, il se pute avec elle en fait. Ok. C'est surtout elle qu'il faudrait taper là. Top du monde. On va essayer de la tenir du. Ouais, de faire des dommages. Moi je suis de ton côté, chef. Ah, je vais prendre un coup pour rien, bon ça on l'a distrait. Machin, patati patata. Oh merde, putain, j'ai pas mis mon bouclier. Je pensais que mon bouclier était sorti. Ok, ils sont morts. Ça veut dire que c'est peut-être la crise là-bas. Peut-être faire 5. Mais elle a peut-être récupéré sa vie, cette con. Mais ouais. Ah putain, le bad. C'est de se la refaire, hein. Si elle peut se cramer aussi, ce serait pas mal. Ah merde, putain, je suis avec ma faux, moi. Ah merde, merde, merde. Putain, ça commence mal. Ah, attendez les jeunes, je vais aller régène là parce que je suis en train de faire n'importe quoi. Je suis en train de faire n'importe quoi. Puis j'ai pas pris mes petites fioles. Bon, au début je pensais que ça passerait tranquille. Donc elle était à moitié entamée. Mais là c'est chaud, hein. Donc faut que je prenne férocité et ça. Il y a le soleil qui se barre. Je vais me remettre par là. Ah bah elle est en train de venir. Elle est en train de venir la petite dame. Moi si elle sort, tendu quoi. Tendu, surtout que là on est en plein soleil. Alors c'est dommage, c'est qu'il y a peu de temps il y avait la lune rouge. On aurait pu essayer d'en profiter mais pour le coup c'est mort. Donc là elle sort, si elle peut aller se taper avec du monde ça m'arrangerait. Je vais me requinquer un peu. Et je vais m'enfiler mes deux fioles. Ouais, on va se planquer là. Ah, je vais faire 7 et 8. Ah, c'est un peu chaud si je fais ça maintenant, quoi. Faudrait voir où elle est exactement. Elle est pas en train de se taper, quoi. Ah, un petit coffre. Ouais, bah tout prendre. Tout prendre, bah comme ça j'aurais récupéré quelques pierres du fléau. Alors ça je sais pas ce que c'est. Faucheur d'âme du général. Puiser dans cette orbe de savoir pour découvrir une nouvelle technologie. Ok. Ah merde. Faucheuse d'âme du général. Ok. Bah écoutez, pas mal. Je sais pas si c'est ce qu'on aurait pu récupérer avec les avec ça là. L'œil du crépuscule. Fragment d'âme. Existe sur un serveur. Peut-être que j'en ai gaulé une. Hein. À voir. Alors je sais. Merde. Oh merde là. Attends, le badge. Je sors au pire moment quoi. Ouais 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 ma petite dame. Transformation de loup. Ah ouais, putain l'enfoiré. Peut-être chercher son truc. Ah, puis je peux pas aller me planquer. Putain, ils sont en train de me recramer, ces cons. Il y a du garde de partout, et là c'est des humains, donc ouais, ça m'aide pas là. Ah, putain, il y en a partout. Je vais me foutre dans mon petit coin. Merde, j'ai attiré toute la populace. Allez vite là.
Ça promet rien de bon. À moins qu'il y ait un 192 de dispo. Non, c'est que des sangs pourris, quoi. Eh, vous allez me gonfler encore longtemps. Allez, taper des vaches, j'en sais rien, faites quelque chose. Ok, les murs sont juste devant. On va looter tout ça, j'aimerais bien que ma vie régène. Ce qui sera en soi pas mal. On va ramasser tout ça en attendant. Non, on va la traquer. Ça serait bien qu'elle retombe sur un ennemi. Comme ça, si je peux faire comme le coup que j'avais fait avec le golem, et je peux avoir un allié temporaire sans reprendre l'aggro, bien sûr, bah, ça m'aiderait fortement. Voilà, elle se tape sans se taper, quoi. Ah merde, j'ai aggro en bas, moi. Ok. Ok, alors déjà il y a la lune. Bah écoutez, je vais la suivre et je vais attendre de voir si elle se frite avec quelqu'un ou pas. Ok, bon, elle se frite avec du petit squelette, alors on va attendre. Ah, bah là c'est pour moi. Ok, c'est parti, hein. Ah non, pas dans ce sens-là. 17. Allez, 8. Putain, là ça fait beaucoup par contre. Elle est pas en train de se casser cette sous-dôme ou quoi? Elle est en train de régène, je suis en train de la taper. Tiens, viens le squelette. Un attroupement derrière. Waouh, ça a abusé. Ah putain, je suis en train de chier de la... Oh là là. Putain, mais qui sont cons ceux-là? Et breuvage, je sais pas s'il y a un breuvage qui est passé, hein. Ah ouais, merde, putain, j'ai dû faire 6. Au lieu de 7 et 8. La férocité, je l'ai. Mais j'ai pas enchanté. Et là, niveau vie, je chie du cul, quoi. Je vais faire 8 maintenant. Enfin, si je me tape une fiole de potion, c'est chaud, quoi. Sinon, je fais ça. Faute de mieux. Et je picole une fiole de sang. Hein. Putain, c'est pas possible, quoi. Oh non, putain, ils arrivent tous. Ah, j'aurais peut-être pu la picoler. Et l'autre il arrive pas à me taper.
Bon, allez-vous. Ah non, j'en attire d'autres. Oh, génial la zone. Oh putain. Oh putain, oh, je suis ralenti. Oh, cassos, Légion. Oh, cassos. Ah putain, je vais canner. J'y vais canner, je le sens mal. J'ai pas le choix, faut que je fasse ça maintenant. Histoire de régénérer au max. Ouais, bon, je suis max. On va faire ça. Et bah 5, pas le choix. Hein. Si j'attends trop longtemps et que je me fais avoir, c'est pas la peine. Je sais pas pourquoi ils me disent que je suis déjà au max, mais bon. Ah ouais, putain, il y en a un qui était planqué là. Ah ok, mais bon, je crois qu'elle vient de taper tout le monde ici. Ah merde, je fais mon bouclier et après je l'enlève. Toutes les miennes aussi. Ah merde. Ils vont me saouler les deux. Là, faut que je me concentre sur la petite dame en premier. Voilà, ça, ça va pâter les autres troufignons. Ok, bon, j'ai esquivé déjà, c'est une bonne chose. Ah, faudrait pas qu'elle régène là par contre. Ok, cool. Ah, ces cons de garde sont morts. Peut-être j'ai une bonne chose de faite. Je vais enfin pouvoir faire du fil, génial. Meredith, l'archère illuminée, ok. Ok, c'est cool. Bah écoutez, je vais fermer un peu de fer tant que je suis là. Je vais ramasser tout ça. Je vais peut-être me changer. Ah non, c'est pas du sang que je veux prendre. Surtout que le suivant, bah on sait où il est. Hein. C'est celui-là, il est direction la montagne. Donc on va y aller, on va voir. J'espère qu'on va s'en sortir. Bon, on verra bien. Hein. Ok, mur. Me revoici à la base. Alors, je vais pas me prendre la tête. Quoique, si, je vais peut-être aller faire fondre du minerai. Je voulais passer ici pour voir l'arme qu'on a récupérée. Elle est là. Je vais me la faire, les jeunes. Hein. Je sais pas si. Ouais, elle est peut-être pas faucheuse impitoyable. Je vais juste me la faire pour le style et on va aller se taper avec. Et elle offre plus de chances de faire des coups critiques avec les sorts. Et puissance de sort plus 6. Donc ça peut être pas mal. Surtout si je me retrouve au corps à corps avec l'autre. Elle fait plus de dégâts aux morts vivants. Ouais, elle est un peu plus boostée que celle que j'ai. Donc quoi qu'il en soit, faut que je me la fasse. J'espère que j'ai 4 pierres de brume ordinaire par contre. Normalement, cette par ici. Ouais, j'en ai 17. Ça devrait aller. Donc je vide mes poches et tout, et puis après on se la craft et on est reparti.
Ok, Emur, c'est cool, c'est que ça a commencé ma production de fil de laine directement. Je vais pouvoir claquer un peu tout ce qui traîne et qui me bloque ici. Ah, donc j'ai quasiment fini de vider mes poches. Faut que je ramène quelques trucs en haut. Vu que j'ai déménagé tout ça, faudra qu'on finisse de construire ça. Je pense qu'on fera ça la prochaine fois que je définisse correctement mes pièces. Sachant que là, en plus, on a pas mal de parchemins. Et maintenant, je vais pouvoir les construire, les parchemins. Faudrait que j'évite de cramer pour perdre mon sang. Donc, bah écoutez, ma foi, c'est parti. J'ai relancé des popos aussi, histoire d'être tranquille. Donc, on va redescendre et on va aller s'occuper de ça. Ah, un petit bug, je sais pas à quoi c'est dû. Mon cercueil, il est transparent, il veut pas redevenir bah, comme avant. Ce qui est un peu compliqué. Surtout pour la déco. Là, il me fallait une essence supérieure. Là, je crois que j'en ai une qui traîne dans le coin. Je sais pas si elle est direct dans le coffre. Elle est peut-être. Je sais pas où elle est fourrée. Elle est pas là. Bon bah, tant que je suis ici. Alors déjà, je peux faire ça. Ah, donc il m'en fallait 4. On va faire ça comme ça, hop. À faute de trouver l'autre essence, je vais en gauler une ici. Donc là, j'ai un bon petit stock. Qu'est-ce qu'il me fallait d'autre? Il nous faut. Ah non, il me faut 4 essences. Et 24 lingots de fer et 16 planches. Donc les lingots. On est bon. Peut-être en prendre 16 pile poil. Voilà, merci. Ok, normalement j'ai tout. Normalement j'ai tout. Et donc on est ici. Ah non, j'en ai pris que 16 des lingots, mais en fait c'est 24. J'ai confondu avec l'autre. Je les ai remis ici. Bon, je vais faire ça comme ça ira plus vite. Voilà, on va lancer le craft. Ça, mes lingots, je vais les remettre de l'autre côté, ce sera bien mieux. Je vais ranger mes petites essences ici. Voilà, merci bien. Et puis, je vais récupérer mes petits soins là. Donc là, je vais en prendre 2. Ça, je vais en prendre un quatrième. Et puis, on est bon. Il me reste une fiole de sang en cas de besoin. Donc. Je crois pas avoir eu besoin. Ah ouais, au final, j'ai perdu tout ce qu'avait monsieur Orson là. C'est un peu la galère. Et je vais déposer ma faux ici. Il faudra que je trouve d'autres tartempions. Ah ouais, putain, alors si à chaque fois ils perdent leur stuff et qu'on peut pas le récupérer, même ne serait-ce qu'au sol, ça va être la galère. Donc là, on va faire plus de dommages. Et je crois qu'il y a peut-être même plus de durabilité. Après, je dis peut-être une bêtise. Ah non, c'est ici que je veux aller. Voilà, là, 1873. Ah non, c'est pareil. Ok. Et ça, 1873 aussi. Ah, ok. Et je sais pas si mon stuff a besoin d'être réparé. Et je vais quand même réparer avant d'y aller. Hein. Peut-être pas le collier, mais au moins ma tenue. Ok, alors tant que je suis là. Je vais prendre la traque, même si on sait qu'il est à la montagne. Comme ça, j'aurais pas cherché 3 ans une fois arrivé sur place. Ok, mur, on arrive au biome neige, donc à la petite montagne. Il n'y a plus qu'à essayer de suivre maintenant sa piste, en espérant que la zone soit dégagée, qu'on ne souffle pas trop. Je sais pas s'il est direct en haut, parce que je crois qu'il se promène, hein, ce con. Il serait par là. Alors peut-être qu'il est en train de le pister l'autre. Ou alors il vient de le tuer.
Il a peut-être dû se friter avec. Vu le bordel que c'est. La fibre végétale, je m'en fous un peu. Ah, bah on a rejoint le petit loup. Ah, il est là. Ah putain, merde, j'ai déjà plus de vie. Ah non, j'étais gelé. Ah putain, merde. Vas-y, top. Putain, je le loupe, mais comme jamais, quoi. Putain, ma souris. Ok, concentration. Ok, petit blizzard des tempêtes. Ok. Ok, ça fait disparaître. Allez, tire. Je sais pas si je peux le raise. On va le raise, hein. Je vais attendre. Je vais me prendre une petite fiole numéro 5. Je vais faire ça aussi. Bon, c'est un peu con, j'étais bien moi niveau vie, mais lui non. Ah, donc tant pis quoi. Je crois que ça... Ouais, bah c'est la seule personne que j'y reste depuis le début quoi. Ah, il veut y aller en plein jour. Il est surmotivé quoi. Ah, je veux bien un peu d'ombre. Et je vais repartir sur mon arbalète. Ah, je sais pas où il est passé, hein. Et ma traque de sang, je l'ai plus, donc... Ça va être mystère et boule de crotte, quoi. Pour le retrouver, ça va être la misère. Je pense pas qu'il soit passé au pont. On va essayer de retrouver l'autre tartempion, là. Ah mais je suis en train de sortir de la zone les jeunes. Bah ouais, on est sorti. Ouais, faut retourner là-bas là. Je sais pas s'il y suit. Ok. Ah bah écoutez, j'essaie de lui remettre la main dessus, hein. Ok, mur. Monsieur est droit devant. Ok. On va
Ouais, ça s'annonce bien. Allez, on va taper tout ce petit monde. Allez, tapons. Ah, par contre, y a pas beaucoup de place. Je sais pas où il est, cet abruti. Ah, il est là-bas. Ah, bah ça, ça marche pas. Ok, on va aller un peu au corps à corps. Un petit E encore là. Ok, on est reparti dans une tempête de givre. Faire 6. Oh putain. Ah, oh, mais ne tape pas trop. Vas-y, tape. Ah merde, putain, faut que je le vise lui. Je vais aller réanimer le pépère. Putain, j'ai plus de sang quoi. Allez, on aura fait une bonne petite BA là. Je veux bien que ma petite roue soit là. On va prendre tout ça. Je vais farmer un peu de cuivre tant que j'y suis. Ah bah écoutez, voilà, nous on va se laisser là. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire. Et peut-être qu'on retrouvera Léo dans un prochain épisode pour d'autres boss. Et si vous voulez pas louper nos prochaines aventures, eh bien n'hésitez pas à vous abonner ainsi que d'activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout cela. Sur ce, moi je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde et survivez bien. Excellent. Oh, donc il me faut simplement quelqu'un. Enlève le doigt. Les doigts, les doigts, les doigts. Allez, allez, il me faut une personne, par exemple quelqu'un qui n'a jamais trouvé l'amour. Qui pourrait regarder la mort pile poil dans l'œil? Un authentique héros! Vite! Avant de retrouver l'usage de notre cerveau!